Mais cours, la caméra est allumée. Tiens, ça tombe bien, la caméra est allumée. Mais regardez, il y a Vlad et Nikki qui m'appellent. Par contre, ils ont littéralement cassé mon sommeil. Sérieux, quoi. Allô, c'est qui? Salut, Robin, c'est moi, Vlad, de la chaîne Vlad Nikki. Et là, je t'appelle en pleine nuit, mais là, tu vas jamais me croire. Écoute-moi, on prépare des vidéos à l'heure de 3h du matin avec le Tenge Tenge. Et tu serais pas chaud pour venir avec nous? Quoi? Attends, j'ai peut-être mal compris quelque chose, là. Tu parles bien du Tenge Tenge, là? Oui, c'est sérieux. Et bon, écoute, quand l'heure passe à 3h du matin, eh ben, n'hésite pas à venir. Ça va être... Oui, mais attends, vous allez faire des vidéos 3h du matin, mais et des quoi comme vidéos 3h du matin? Eh bah, je pense qu'on va faire des vidéos horreur. Je pense qu'on va faire le challenge de faire la danse du Tenge Tenge à 3h du matin. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? J'aurais jamais pu penser qu'ils puissent se connaître carrément. Alors là, je vous le dis, on va pas laisser passer ça. Non. Je pense qu'on va devoir s'équiper du drone, les gars. Et on va survoler tout partout. On va essayer de retrouver Tenge Tenge et les Vlad et Nikki. Parce que ouais, ils ont prévu de se retrouver à l'heure de 3h du matin. Ouh, allez, le drone est en action, les gars. Je suis surexcité, vraiment. Et vous savez quoi, je vais dès à présent aller survoler la rue. Et on va aller traquer les Vlad et Nikki avec le Tenge Tenge. Alors attention, là, c'est une partie de drone nocturne. Là, on n'y voit rien. On voit rien du tout, les gars. C'est la nuit noire. Les gars, c'est stressant. Ah bah là, par contre, contrairement au niveau du parking, où là, c'est à peu près éclairé, donc on y voit beaucoup mieux. Et vous savez quoi? Je fonce directement jusqu'au KFC. Parce que les gars, je le sais très très bien, mais les Vlad et Nikki fréquentent beaucoup le KFC et le McDonald's aussi. Alors ok, je pense que c'est une bonne piste. Ok, j'y suis. On est devant. Je suis tout juste devant, les gars. Oh, attendez. Attendez, c'est qui ça là-bas, là? Oh, attendez. Les gars, ils sont là. Ben voilà qu'ils sont là. Aïe. Ah, je savais qu'à un moment ou un autre, ils allaient fréquenter le KFC. Voilà, à un moment donné, ils allaient passer par le KFC, c'était sûr. Les voilà, les Vlad et Nikki. Mais pas de Tenge Tenge, hein. Bah tiens, ça c'est bizarre, ça. Alors ce serait peut-être probablement un mensonge. Et ouais, ben non, je pense que c'est du bluff, c'est faux, les gars. Et ouais, ils entretiennent aucune relation avec le Tenge Tenge. Je le savais. Ah bah là, maintenant, les frères youtubeurs Vlad et Nikki, ce sont des menteurs. Oui. Et on les voit, je crois qu'ils ont vu le drone. Je crois qu'ils ont vu mon drone, c'est sûr. Ils ont vu mon drone. En tout cas, c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas du tout de Tenge Tenge, là. Pas du tout, du tout. Ce serait donc faux. Il n'aurait donc aucune relation avec le Tenge Tenge. C'est ni plus ni moins un mensonge. Ils ont vu mon drone, là, par contre. Je crois qu'ils ont vu mon drone. Je pense qu'ils se doutent que ce soit moi avec mon drone, là. Oh non, c'est pas grave, on s'en fout. Mais attends. Qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, là, je sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est comme si qu'ils ont l'air d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Je sais pas, mais... Eh, attendez. C'est qui ça derrière? Derrière, les gars, regardez. Non. Les gars, sérieux? C'est le Tenge Tenge! Oh la dinguerie! Mais oui. Le Tenge Tenge est véritablement venu voir les frères youtubeurs Vlad et Nikki. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils préparent, là? Ils vont peut-être faire des vidéos ensemble. Oh, je veux voir ça. J'ai bien fait de venir avec mon drone. Mais non. Attendez, je me remets devant le KFC. Hey, je veux pas les lâcher. Ils sont là, les gars. Ils repassent devant le KFC. Là. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Oh, regardez, les gars. Je peux remarquer que le Tenge Tenge a une caméra dans les mains. Ils sont actuellement en train de faire une vidéo. Je crois qu'ils font des battles de danse. C'est à celui qui fera le mieux la danse du Tenge Tenge. Mais ça pourrait faire une excellente idée de vidéo. On ferait une battle de danse avec le Tenge Tenge. Mais ce que je trouve fou en plus, c'est que c'est très clairement le Tenge Tenge qui fait le caméraman. Mais oh mon dieu, la dinguerie. Mais en tout cas, j'aimerais tellement participer à cette vidéo. J'aurais très clairement dû y aller, en fait. Non, dommage. Bon, déjà, on a quand même bien fait d'y aller avec le drone. Attends, pourquoi ils sont plus là? Ils sont partis où? Non, ils sont partis où, les gars? Attendez. Eh, faut les suivre, les gars. Je veux pas les rater. Faut pas les lâcher, là, sérieux. Oh, c'est fou. Mais, ils sont peut-être partis jusqu'au McDo. Parce que le McDonald's, il est juste à côté. Ou peut-être qu'ils sont repartis jusqu'au parking, ou... Bon, vas-y, on va voir au McDo. On a rien à perdre. Mon téléphone. Attendez, là, mon téléphone. Oh non.
Vlad et Niki m'appelle. Vlad et Niki qui m'appelle. Je crois qu'ils ont cramé que c'était moi avec le drone. Bon, vas-y, on verra, ok. Allô, Vlad, Niki. Allô, Rocket, pourquoi t'es pas là? Mais t'es où? Et c'est quand que tu vas venir? Je t'avais dit, j'ai très très mal à la tête, j'ai mal au ventre. Menteur, espèce de menteur. T'es quand même venu avec ton drone, donc ça veut dire que t'es un gros menteur. Non, je suis pas un menteur, enfin. Non, mais bon, désolé, j'avoue, j'ai menti, j'ai complètement menti, mais. Vous me pardonnez? Ça, je sais pas. Bon, ok, on peut te pardonner, mais alors à une condition. La condition, c'est que tu dois commander le menu imprimé chez McDonald's du Tengue Tengue, et en plus, tu dois commander le menu de Vlad et Niki. Ok? C'est vrai. Ok, bah je vais commander tout de suite. Je commande tout de suite. Ciao. Wow, les gars, ils m'ont cramé. Je me suis fait griller, sérieux. Bon, en tout cas, j'ai moyen de me faire pardonner. Et vous l'avez compris, il faut réellement que je commande le menu Happy Meal du Tengue Tengue et des frères youtubeurs Vlad et Niki en même temps, là tout de suite, à l'heure de 3h du matin. Bon, c'est ce que je vais faire. Allez, je prends la caméra avec moi. Direction chez McDonald's. Let's go. Les gars, je suis venu jusqu'au McDonald's à l'heure de 3h du matin parce qu'il y aura apparemment les youtubeurs très très célèbres Vlad et Niki, mais qui se seraient venus se prendre un petit menu au McDonald's. Regardez, je me trouve au niveau de la terrasse du McDonald's et oh, regardez là. Ah bah voilà, regardez, Vlad et Niki, c'est les youtubeurs super populaires. Ils ont carrément été même invités par McDonald's. Non mais la classe, non mais les gars, sérieux, c'est incroyable. Et oui, bon, regardez devant la porte du McDo, il y a du Vlad et Niki partout, même à l'entrée. Même à côté du nouveau sandwich. C'est incroyable. C'est carrément incroyable. Franchement, je kiffe. Mais là, moi, ce que je veux, c'est de les retrouver. Ouais, je veux les retrouver, moi. Alors, attendez, on va regarder à l'intérieur du restaurant. Ah, mais ouais, mais tout est rangé, tout est fermé. Attendez, on va ouvrir la porte du McDo. Oh, c'est fermé. Ah ouais, c'est fermé, les gars. Bah c'est pas étonnant, parce qu'il est l'heure de 3h du matin les gars. Mais c'est pas pour autant que je vais me décourager, mais oui. D'autant plus que je vous le dis, que là si on les retrouve là tout de suite maintenant, on pourrait véritablement retrouver la version Vlad et Niki, mais démoniaque. Oui, bah oui, à l'heure de 3h du matin, Vlad et Niki sont complètement possédés par toutes les entités démoniaques. Et bon, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller toute la terrasse du McDo à la recherche des grandes vedettes de YouTube. Ouais, alors attendez, on va chercher partout les gars. Regardez, c'est la terrasse avec tous les petits parasols comme ça. Attendez, c'est quoi ça? Oh, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Vlad Niki, j'ai trouvé un œuf Vlad Niki. Regardez, non mais sérieux les gars, j'ai trouvé ça sous un parasol en pleine terrasse. Regardez ça, j'ai trouvé l'œuf super-héros des Vlad et Niki. Mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop incroyable là. Mais je pense que c'est un enfant qui l'aurait peut-être oublié là comme ça. Il était posé comme ça quoi. Attendez, mais bon. Eh ben vous savez quoi, on va le prendre avec moi. Je vais le prendre avec moi, en tout cas ça s'avère très 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 intéressant. Et bon, on prend ça et on retourne jusqu'à la voiture. Allez, vite, je retourne à la voiture. Allez, hop, on ouvre la porte de la voiture. Et allez, on va découvrir tout ça ensemble. Voilà maintenant, mais quoi, je me retrouve les gars. Mais oui, et on va l'ouvrir parce que y a des trucs à l'intérieur. J'entends, il y a plein de trucs à l'intérieur. Moi je suis trop curieux. Moi je peux pas laisser passer ça les gars. Et regardez, il y a les deux frères. Là je crois que c'est Vlad et là c'est Niki. Ils sont là, c'est là les deux frères les gars. Oh là, je vous le dis, on a fait une belle prise. Maintenant on va l'ouvrir, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous dis, c'est blindé de surprises là dedans. D'un côté je suis vachement surexcité, mais d'un autre côté, vu qu'il est l'heure de 3h du matin, je vais rester quand même très méfiant. Vas-y, je l'ouvre. Oui, on va l'ouvrir les gars, allez. Mais je vous le dis, j'arrache tout, j'essaye de tout arracher, mais je sais même pas comment on l'ouvre. Je me contente de simplement tout arracher, hein. Voilà. Oh, ça y est. Oh, mais regardez, mais ça se compose véritablement comme un œuf. Attendez, si je tire dessus comme ça. Oh, je l'ai ouvert. Ça y est, je l'ai ouvert. Oh, mais regardez, il y a plein de trucs. Ok, je pioche un truc au hasard. C'est quoi ça? Je suis trop curieux. Alors là, les trucs comme ça, je kiffe. Ah là, je kiffe de fou les gars, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Yeah! Oh! Un pistolet à eau! Ouais, j'ai mon pistolet à eau les gars! Attention! Ok, là faut pas faire les malins, faut vite mettre un pouce bleu, sinon je tire! Abonne-toi aussi! Ouais! Je rigole! Je rigole! Attends, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça les gars? Waouh! Je vous jure, je kiffe de fou! Mais les gars, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça les gars?
Mais regardez ça. Oh, trop stylé. Oh, ça se met comme ça. Ça se met comme ça, les gars, autour, comme ça. Oh non, attends, je suis bête. Ça se met de derrière, ça se met de par derrière. Comme ça, les gars. Ouais, comme ça. Mais regardez, c'est une cape. C'est la cape de la Leniki, les gars, sur mon dos. Et là, maintenant, j'ai mon pistolet. J'ai ma cape. Oh, faites pas les malins. Ouais, faut vraiment s'abonner, là. Oh, gros. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, la dinguerie. Oh, là, c'est fou furieux, les gars. Attendez, je mets le masque. Je mets le masque comme ça. Alors là, ça y est, faut plus faire les malins. Ah là, non mais là, je vous le dis là. Là, les gars, j'ai mon masque, j'ai ma cape. Et là, j'ai mon pistolet à offrir. Faites pas les malins. Ouais, non mais là, en fait, je suis Vlad, mais en mode super-héros. Ouais. Attendez, bon, je mets ça comme ça sur la tête. Eh, là, franchement, je suis stylé. Non mais les gars, entre vous et moi, je suis stylé ou pas? Non mais franchement. Mais attends, mais il y a encore plein de trucs à découvrir. Et ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, gros? Mais pourquoi je galère à l'ouvrir? Mais pourquoi je galère à l'ouvrir? Mais... Ok, c'est bon. Ok, qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est, les gars? Oh, les gars, c'est une figurine! Ouais, bon, c'est une sorte de grosse figurine en mode attaque. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse, moi. Il y a des bracelets en plus, il y a un bracelet. Attendez, je mets mon bracelet Vlad et Niki. Oh, regardez ça, ça. Non, mais j'ai un flow incroyable. Non, mais les gars, j'ai ma petite cape, mon petit masque, mon bracelet. J'ai tout en Vlad et Niki, là, c'est sérieux, les gars. Oh, je suis pas crédible, oh mon dieu. Non, mais les gars, c'est... Oh. Il y a mon téléphone qui sonne là. Attendez, je vais trouver mon téléphone. Mon téléphone, il est où mon téléphone? Mon téléphone, je l'ai trouvé. Hé hey. Wow. Oh. Les gars, regardez. Mais quoi? Mais je reçois un appel de Vlad et Niki là, tout de suite là. Pourquoi? Hé, hey, wow, je sais pas trop quoi en penser, mec. Attends, est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois pas répondre? Oh, ça m'a surpris là, comme ça d'un coup. Vas-y, on répond. Vas-y, je vais répondre. Allô? Allô? Vlad, Niki, c'est qui est-ce que j'ai au téléphone? Allô, c'est moi Vlad. Mais, et toi là, Robin, tu n'aurais pas récupéré l'œuf super-héros à la terrasse du McDonald's par hasard? Le gros œuf orange super-héros là? Je sais pas, on sait pas du tout. Non, je sais pas, je vois pas du tout de quoi tu parles. T'es sûr, t'es vraiment sûr de toi? Parce qu'on en a véritablement besoin. Sinon nous ne pouvons pas commencer notre toute nouvelle vidéo YouTube. Ouais, effectivement c'est problématique. Mais du coup ça veut dire que vous pouvez plus du tout continuer à faire vos vidéos là? Eh bien non, pour pouvoir commencer ma vidéo j'ai besoin de mon masque, de ma cape et de mon pistolet. Alors là je suis vachement confus pour vous les frères. Mais franchement je vous le dis encore, je me permettrai pas du tout, mais alors pas du tout, de vous empêcher de faire votre vidéo et encore moins de prendre tout votre matériel pour faire vos vidéos. Non. J'ai raccroché les gars, je vous le dis, j'ai carrément raccroché. Je crois qu'en vrai les gars on a fait une grosse bêtise. En fait j'avais pas du tout le droit de récupérer ce fameux œuf en super héros des Vlad et Niki. Mais ça leur servait pour faire leur prochaine vidéo. Je pense qu'ils étaient actuellement en train de préparer une vidéo aux abords du McDonald's. Et plus précisément au niveau de la terrasse là où on était tout à l'heure. Ok les gars, vous savez quoi, je déplie mon drone les gars, on se dépêche. C'est qu'une question de temps les gars, je vous le dis, faut pas rigoler. Allez ça y est, mon drone est prêt, ma télécommande est prête les gars, j'envoie le drone dans les airs et let's go. Allez bah ça y est les gars, j'ai pris le contrôle du drone et bah là je me trouve actuellement juste au dessus du McDonald's. Oui, le fameux McDonald's où Vlad et Niki auraient été invités. Et là je vous le dis, tout d'abord on va survoler tout le parking. Ouais, tout le parking les gars, on va tout scruter. Et je vous le dis, on va fouiller tout de fond en comble. Ah oui, on va rien laisser passer les gars. Alors là déjà niveau parking, on peut voir qu'il y a beaucoup de voitures stationnées. Mais je trouve ça quand même étrange parce que pour un McDonald's qui est actuellement fermé, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde autour du McDo. Ça je pense que c'est le phénomène Vlad et Niki. Ça serait pas étonnant les gars. Je pense que tout le monde veut les apercevoir. Je vous le dis, ce sont de vraies vedettes. Attendez, mais peut-être que quand je réfléchis, peut-être qu'ils ont été aussi invités par le KFC. Parce que oui, juste à côté de ce McDonald's, il y a un KFC les gars. Et si je réfléchis un petit peu dans ma petite tête là, c'est bel et bien possible qu'on puisse les retrouver aussi aux abords du KFC. En tout cas là encore une fois on peut le remarquer, mais au niveau du parking il y a encore de nombreuses voitures. Alors que les horaires du KFC sont dépassés les gars. Et oui, là c'est étrange, franchement je trouve ça très étrange. Mais moi vous savez quoi, je vais rester simplement posté devant le KFC en espérant peut-être apercevoir l'une de ces vedettes. Mais oh, là. Mais attends, c'est... Mais je rêve ou c'est... Je suis pas fou, je les ai reconnus. On les voit bien, ils sont là les gars. Ils sont là les gars, on les a trouvés. Ils traînent au niveau du KFC, ça y est. Oui, on les a trouvés. On les a trouvés dans la vraie vie les gars. Alors là c'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable ce qui se passe. Attends, ils sont passés où? Ils sont partis où?
Ils sont partis où les gars? Non, je veux pas les lâcher. Je veux pas les perdre de vue. Non. Attendez, bah du coup, laissez-moi le temps de faire tout le tour du KFC les gars. Oh, faut les retrouver. Attends. Et oui, je vous le dis, je vais me mettre carrément de l'autre côté du KFC. Oui, de l'autre côté carrément, je vous le dis. Ah ouais, j'ai rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Là, regardez, là, ils sont là. Mais ouais, mais franchement, mais attendez, on peut le dire qu'à l'heure de 3h du matin les gars, ils sont vraiment très actifs. Puis attendez, c'est étonnant parce que je remarque que le KFC, lui, il est encore ouvert. Je crois qu'il reste ouvert toute la nuit. Et là, je pense que c'est à l'occasion de la visite de Vlad et Nikki. Mais ça, c'est sûr et certain, les gars. Ah, attendez, là, ils sont là, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que vous pensez qu'ils sont véritablement en train de préparer une vidéo? Et puis d'ailleurs, je pense que vous le savez, les gars, mais Vlad et Nikki sont très petits. Ça veut dire qu'on aura peut-être aussi l'occasion d'apercevoir leurs parents. Oh, ça serait une folie. Oh, ça serait incroyable, les gars. Attendez, là, cette fois, je vais placer le drone stratégiquement, les gars. Oh, là, on va plus les rater. Je vous le dis, on va plus les louper, là. Attendez, mais regardez. Mais je crois qu'il est en train de tenir une caméra dans les mains et il est en train de filmer son frère. Regardez ça les gars. Vous le voyez en même temps que moi. Mais ouais, ils sont carrément actuellement en train de faire le tournage d'une vidéo devant le KFC les gars. Alors je sais pas quel type de vidéo ils sont en train de faire. Ça nous fait une avant-première les gars. Mais ouais. Alors là je m'attendais à tout sauf à ça. Et ouais, ils sont véritablement en train de faire le tournage d'une vidéo YouTube en direct. Et ça franchement, heureusement que je suis toujours équipé du drone là. Bah parce que sinon on n'aurait jamais pu obtenir ce résultat. Et ouais. Mais ils font carrément une vidéo YouTube en plein dans le parking du KFC. En tout cas, je serais bien curieux de savoir quel type de vidéo ils sont en train de faire. Bon, en vrai de vrai, les gars, c'est peut-être le moment de les laisser tranquilles un peu, non? On va les laisser faire leur petite vidéo. C'était très mouvementé, les gars. Et franchement, grâce au drone, ça nous a clairement permis d'apercevoir les deux frères, Vlad et Nikki, dans la vraie vie. Et ça, franchement, ça mérite plein de pouces bleus. Je compte sur vous. N'hésitez pas également à bien penser à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines autres vidéos au sujet de ces deux vedettes, les Vlad et Nikki. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Allez, ciao!